Ce magazine kiosque d'analyse, commentaire, débat sur l'actualité en République démocratique du Congo, pourquoi pas en dehors de nos frontières. Alors aujourd'hui, vous aurez des débats, commentaires de nos invités sur deux sujets. D'abord judiciaire, avec cet échange que le président de la du Conseil supérieur de la magistrature a eu avec les syndicats des magistrats, semble-t-il, s'y sont accordés à résoudre leurs différends par voie de concertation. Vous savez, il y a un malentendu entre le corps de magistrats et le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba. Nous allons en parler. Et puis, le général Jean-Claude Kifoua, qui est auteur de tortures et autres traitements inhumain et dégradant à l'égard d'un avocat, est traîné en justice devant l'auditorat général des forces armées de la République démocratique du Congo. Vous aurez des réactions par rapport à cette décision du ministre de la Justice. Et on va parler politique avec cette proposition du docteur Denis Mukwege qui appelle à un dialogue sous l'égide de l'Église catholique. Qu'est-ce que nos invités en pensent? Voilà, ce sont là les sujets retenus pour ce magazine kiosque de ce matin. Alors, nous avons trois invités dans ce plateau de kiosque. Christian Moleka est face à Serge Antseka et Freddy et Chiyoyo. Christian Moleka, bonjour, bienvenue. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Bonjour à tous ceux qui nous suivent et merci également pour ce plateau. Bonjour à mes co-débatteurs et pour l'opportunité que nous avons d'échanger en début de ce week-end. Freddy Chiyoyo, bonjour. Bonjour madame Gisèle, c'est un plaisir de vous revoir après une semaine. Maintenant c'est l'année toute aujourd'hui. Chaque vendredi, nous sommes là pour partager, analyser et nous pensons que nous faisons du bien à tous ceux qui nous suivent à la maison. Vraiment du bien parce qu'ils ont besoin de ces analyses, ouais, de ces commentaires. Échanger, discuter, trouver tous les angles du sujet et éclairer l'opinion sur les questions d'actualité. Voilà, des analyses pertinentes. On essaie. Alors, Serge Seka, bonjour. Bonjour et merci de rester cet espace des discussions, des réflexions pour les journalistes parce que ça s'est politisé un peu partout. Au moins ici, les analyses journalistiques ont encore cours. Alors, merci et bon courage de continuer. Voilà. Alors, nous allons commencer par ce premier sujet. Je reste avec vous, Serge Seka. Dieudonné Muleta joue sapeur-pompier face à ce malentendu entre le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, et les syndicats de magistrats. On a vu leurs différents communiqués. Alors, cette rencontre d'hier entre le président du Conseil supérieur de la magistrature et les magistrats, ça tombe à pic. Hein. Ben, moi, je pense que ça reste dans le cadre d'un travail normal entre le Haut Conseil de la magistrature et les magistrats. Ils ont l'occasion d'échanger, de discuter. Si Constant Mutamba, aujourd'hui, peut devenir une occasion pour rappeler à Kamuleta la nécessité d'échanger avec ses partenaires, qui sont le magistrat et autres, c'est une bonne chose. Mais je trouve très malsain de créer un bras de fer entre les ministres et les magistrats. Déjà sur le plan protocolaire, sur le plan de la hiérarchie, il n'y a pas photo, il n'y a pas match, il n'y a pas bras de fer. Il ne devait pas y avoir. Et en cas de malentendu ou de problème, je pense qu'il y a des mécanismes. D'abord, comme des autorités, des grandes personnes, des intellectuels, on ne peut pas porter les problèmes de l'État, surtout de la justice, sur la place publique de cette façon-là. Le ministre Mutamba, c'est tout un style. C'est toute une philosophie. Rappelez-vous qu'il a été candidat président. C'est-à-dire qu'à titre personnel, il a des challenges, il y a des choses qu'il voudrait voir changer. Il se présente dans ce gouvernement, même si c'est antinomique, comme opposant. Il arrive, je veux dire, poster Mutamba depuis qu'il est là, il n'a jamais changé de chaussures. Ouais, je le confirme. Il n'a jamais changé de chaussures. Même tenue, c'est pas le style bling bling, c'est pas le style vous venez. Il est venu avec une philosophie que le magistrat souffre d'avoir un autre tempo à la tête de la justice. Et puis qu'est-ce que c'est que tout le monde attend, que les choses changent. Ils sont les seuls à ne pas voir que cette justice-là fait beaucoup de mal au pays que du bien.
Rentrons dans tous les dossiers, patentes devant les organes de la loi, devant les magistrats et autres. Mais combien d'innocents aujourd'hui sont devenus des victimes et des bourreaux qui sont devenus, qui ont obtenu gain de cause dans des conflits de succession, dans des conflits fonciers, dans des conflits. Il y a des problèmes vrais. Je puis encore évoquer les chefs de l'État qui, à chaque sortie, a fait une analyse vraiment négative sur cette justice-là. On n'en veut pas aux personnes. C'est peut-être le système. Je suis d'accord que les magistrats devaient être à l'abri de besoins. Le magistrat devait être protégé, pas seulement avec des armes, mais comme ils en ont le droit, mais aussi sur le plan social. Comment voulez-vous que des jeunes magistrats qui ont été notifiés, affectés ici et d'autres, depuis 6 mois, ils traînent à Kinshasa, ils n'ont même pas les titres de voyage. Donc, je crois que le problème se trouve et du côté des magistrats, quand on dit qu'ils disent mal, ils font mal leur travail, même du côté du gouvernement représenté par le ministre, on ne devrait pas jeter tout l'opprobre sur ces corps-là. C'est vrai qu'il y a des choses à faire, mais je pense que sur le plan procédural, parce que j'ai comme l'impression, là, les magistrats voudraient un peu réagir parce qu'ils en ont un peu assez de cette méthode de Mutamba Mania, j'allais dire. Ils en ont déjà ras-le-bol, mais ça n'a même pas fait 3 mois. Il fallait une collaboration. Et après une année, ça sera quoi? Ils vont gréver? Gréver contre qui? Contre votre autorité? Mais on vous change. Mais je me rappelle que Laurent Désiré, père son âme, avait radié des magistrats, et parmi ceux qui sont en train de mettre les désordres là, c'est, on peut compter ceux qui ont été radiés. N'avait-il pas raison, Laurent Désiré? N'avait-il pas raison? Je pose la question sans attendre la réponse, je me demande. Je crois qu'ils ont des revendications, et que le ministre sait qu'il est en train de faire, et dans son droit de vouloir changer les choses, mais la vérité étant entre les deux extrêmes, qu'ils puissent converger leur vue, et puis qu'ils nous respectent, qu'ils respectent la population, qu'ils discutent à l'intellectuel. Ils sont tous juristes. Et les ministres, eux, ont fréquenté les mêmes écoles, de mêmes professeurs, peut-être dans des temps différents, mais ils ont eu le même cursus qui nous respecte. Merci Serge Antika. Christian Mouleka, ce recadrage de Dédoneka Mouleta, il fallait le faire, hein, surtout que après cette guéguerre qu'on a mis à la place publique des magistrats, il fallait le faire, surtout que lui-même Kamouleta, il y avait certaines personnes qui disaient qu'il était derrière ces manifestations ou ces communiqués des magistrats. Des escalades nécessaires, parce qu'on sentait via les communiqués qu'on prenait un virage qui n'était pas intéressant. Quand vous voyez les institutions de la République communiquer par voie de presse, par voie de communiqués, et prendre des tournures verbales qui étaient presque assez osé, c'était pas une très bonne chose, il fallait une forme d'escalade, il l'a fait. Je suis d'accord avec mon co-débatteur Serge Nseka sur la nécessité du changement. Par contre, je m'interroge sur la méthode du changement, parce qu'il y a une théorie du changement. On peut pas reprocher à un politique d'avoir une vision claire, de vouloir l'impulser. En quoi faut-il appliquer une méthode? Et aujourd'hui, toutes les théories du changement démontrent que la gouvernementalité au sens des verticalités ne fonctionne plus. Nous sommes davantage à l'approche de gouvernance horizontale, c'est-à-dire consultation, participation, amener les gens dans votre démarche, plutôt que de rester dans les mokonzakwa ici, le top-down. Est-ce que le problème, ce n'est pas le style du changement qu'on vient, le style du management, dans le changement qu'on peut apporter? Est-ce qu'il n'y a pas un manque de communication dans la façon de proposer des réformes? Comment on associe ou on fait interagir les parties prenantes nécessaires dans ton secteur lorsqu'on veut réformer? Le mal n'était pas profond, qu'il fallait le faire, qu'il fallait l'aborder de cette manière. Oui, mais si vous l'abordez de cette manière, vous faites crisper les gens. Et quand vous faites crisper les gens, vous créez un précédent. C'est-à-dire que vous avez déjà dès le départ un ministre qui n'est pas en confiance avec les parties prenantes de son secteur. Comment va-t-il travailler pendant toute sa mandature? Même si aujourd'hui on parle des escalades, mais c'est un précédent qui restait. Ça veut dire dans les cœurs, on a peut-être des escalades verbales, mais dans les cœurs, il y a quelque chose qui est resté. Donc on va avoir une sorte de mandat en tension, latente, et forcément une méfiance permanente
entre le ministre et partie prenante comme le conseil de la magistrature. Et comment il va fonctionner? Je crois qu'il faut, à un moment donné, améliorer la méthode du changement en amenant des approches qui dépassent la verticalité et associer les parties prenantes à la décision. Même à titre consultatif. Voilà ma vision à titre consultatif. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils apportent leur input et vous décidez. Ça permet d'éviter de vivre ce qu'on est en train de vivre parce qu'on a pris les choses et puis on récupère après dans la recherche de communiquer. Mais il y a eu tant de, comment je peux appeler ça, des conférences, mais ça n'a rien changé. Kemoutamba devait aborder de la sorte. Je suis d'accord. Est-ce qu'ils se sont mis sur une table à travers des conférences? Je ne dis pas conférence, je dis ceci. Lorsque vous avez une vision et que vous voulez mettre en place une vision, mais vous en parlez avec vos parties prenantes, n'est-ce pas? Voilà ce que moi je veux. Je veux ceci. Vous en parlez en interne. Et non pas, par exemple, que le magistrat se réveille, le ministre a déposé 4 projets de loi au Parlement, ils ne savent rien. Voyez. Vous appelez par les voix des médias, qu'il y a 4 projets de loi qui ont été déposés au niveau du Parlement, personne ne sait de quoi on parle, qu'est-ce qu'on va changer à l'intérieur, est-ce que ça vous concerne, est-ce que ça ne vous concerne pas, est-ce qu'il y a eu un travail en amont d'échange. Voyez, tout le monde sera inquiet parce qu'on ne sait pas de quoi il s'agit. Mais si on a bien, ça peut être de bonnes intentions, ça peut être des bonnes lois. Mais la méthode peut déranger dès le fait que les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que ça nous concerne? Est-ce qu'il veut nous pénaliser? Vous avez vous-même créé les éléments de contestation d'une bonne initiative. Voilà pourquoi je dis, le changement il est bon, mais la méthode est nécessaire dans la théorie du changement, la méthode est nécessaire. Il faut améliorer la méthode, garder la vision, mais améliorer la méthode, notamment la participation. Freddy Tuyoyo, Christian Moulika fustige la méthode. Et moi, j'ai répliqué en disant que le mal était profond, qu'il fallait l'attaquer de cette manière. C'est lorsqu'on voit, par exemple, j'ai vu une liste ce matin où on parle des 112 magistrats qui auraient été nommés et que leur nom se retrouve sur aucune liste des candidats ayant satisfait au concours de la magistrature. Vous voyez des histoires pareilles, il fallait que Moutamba frappe fort. C'est-à-dire que, cher Moulika, je crois que par rapport à la méthode, chaque ministre a sa méthode, a essayé de fonctionner. Il a été un ministre avec une méthode spécifique et un jeune ministre qui a été nommé avec son jeune âge, il va impulser, donner une image positive, il va apporter un tenus et sa manière de faire à lui. Alors, il revient ministre par rapport aux réformes qu'il envisage mettre en place. Et à ma connaissance, ce n'est pas des projets de loi. Le ministre a fait que le rappel de propositions de loi des députés en suspens au niveau des placards de l'Assemblée, qui n'a jamais été examiné au niveau de l'Assemblée depuis un morceau. Alors que ce sont des réformes qu'il a jugées nécessaires pour booster les réformes qu'il a tant menées. Il a fait un rappel à dire, monsieur le président, il y a 4 lois qui ont été initiées depuis 2-3 ans, mais qui sont en souffrance. Je vous demande, devant l'amabilité, de relancer les débats au niveau de l'hémicycle afin que nous puissions nous permettre de mettre en branle sur la vision pour changer l'image de notre justice. Donc ça, je pense que ça revenait à lui de les déposer à l'Assemblée nationale. Non, en fait, juste à ma connaissance, il n'y a pas encore au niveau du gouvernement, au niveau de la commission des lois, les 4 projets de loi discutés au Conseil des ministres. En tout cas, au niveau du Conseil des ministres, en tout cas, je n'ai pas attendu pour entendre ça. Il a fait le rappel au niveau du président de l'Assemblée que chez vous, là, il y a 4 positions de loi des députés qui sont suspens. Je vous demande de relancer le débat. Donc ça, c'est dans cette prérogative du ministre qui a une vision, mais qui estime que non. Pour les matérialiser, il me faut 4 principes parlementaires, notamment ceux qui sont en souffrance au niveau de l'Assemblée. C'est ça aussi donc, que j'ai appris. Il n'y a pas péché dans la façon de faire de M. Moutamba. Au contraire, il faut saluer qui ne sait pas dans ce pays ici. Si vous n'avez pas des moyens conséquents, vous ne serez pas gagné un procès dans ce pays ici. Aujourd'hui, le magistrat s'offre au plus offrant, qui ne le sait pas aujourd'hui, que sans argent, vous n'aurez pas gain de cause en justice. Mais cela requiert de réformes. Et ces magistrats, entre guillemets, véreux, ne sont pas contents. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, quand vous allez à Makala, ceux-là qui ont volé une poule chez les voisins, qui sont trop Makala, n'ont pas le droit de procès. 5-10 ans sont comme ça. Maintenant, ces gens-là, maintenant, qui sont en souffrance de plaidoiries, donc doivent rester comme ça. Et quand vous avez des engorgés, ça énerve. En fait, c'est les butins de guerre qu'on les arrache à la bouche. C'est le fromage qu'on leur arrache, pas Moutamba. Bon,
Maintenant, si ça heurte un peu la sensibilité, j'en conviens, parce qu'il est question de préserver le prestige de la fonction, de la magistrature, et c'est là où je salue le sapeur-pompier qu'a joué le président Kamouleta, parce que d'aucuns disaient qu'il serait derrière, pas celui le président de la CSM, le président de la magistrature, c'est le curé instrumentaliste qui serait derrière, et il a trouvé le bon moment pour leur dire, chers amis, s'il y a à revendiquer, vous connaissez la porte pour frapper, allez voir et puis revendiquer ce qui revient de droit, mais et il se peut qu'il y ait mauvaise interprétation de la pensée émise par l'autorité de tutelle. Alors, et, ce va vraiment s'éteindre. Et dans la soirée, le ministre Moutamba a reçu, j'ai vu le procureur Moukolo à côté et les bons syndicats représentés, ils ont fumé le calme de la paix. Et ils se sont convenus de s'inscrire dans la vision du ministre inspirée par le chef de l'État, qui est celle de laver d'image de notre justice, qui est malade, dont il faut une thérapie de choc pour donner guérison à cette maladie dont souffre notre justice aujourd'hui. Donc, il n'est pas question qu'il y ait une guerre entre les magistrats, seulement cela. Qui se retrouve dans la mafia, parce que le ministre combat la mafia, il faut bien le souligner, le ministre Moutamba n'est pas contre les magistrats. Le ministre Moutamba est contre le réseau mafieux et tout le monde, tout Congolais, où qu'il soit, ce que notre appareil judiciaire est truffé des réseaux mafieux des magistrats, et qui sont ici le boulevard, ici, qui sont là pour vendre un immeuble en particulier. Vous êtes tel, dans la succession de famille, l'enfant qui est plus nantis, peut écraser les bons nantis, les demi-frères, les consanguins, les germains, s'il n'y a pas pro qui passe, lui qui a peu de moyens, vous voyez le magistrat qui est un peu friqué là, tous nous le savons, il y a un là qui fait trop de bruit là, qui a été condamné pour dol, qui ne le sait pas. Et c'est lui qui est en premier qui contre le ministre. Qui ne sait pas dans ce pays qu'il y a de ces magistrats là qui ont été condamnés pour avoir un immeuble là, et puis. Il n'est pas inquiété, comme si lui était donc un intouchable, donc il n'y a que lui qui se tire les droits, selon sa pensée, c'est celui qui a créé les droits. Donc, et déjà pareil, lorsqu'il y a des réformes qui arrivent, ben, il se dit, mais non, mais j'ai moins 5-6 là, mais quand ça marche pas, donc ça marche, donc c'est un peu ça. Même le ministre est là pour une cohésion au niveau du corps magistral, il est là pour qu'il y ait entente parfaite, mais seulement, il est en guerre contre ceux-là qui salissent l'image de la justice. Merci Freddy Chieux. Je reviens sur ce que je soulevais au sujet des 112 magistrats qui ont été nommés sans pour autant passer par satisfaire au concours. Est-ce que là aussi il faudrait sanctionner qui les a nommés? On va chercher, creuser pour d'être arrivé même aux arrêts des personnes qui l'ont nommé. Nous avons lu ces documents. Je ne sais pas comme journaliste, me prononcer quant à son authenticité. C'est parti d'où qu'il a publié, dans quelle intention. Mais dans le cas où cela serait vrai, je dis, cette justice-là n'est pas une justice, quoi. Ces gens-là vont servir quoi? Parce que vous entrez dans le corps de magistrat par effraction, par tricherie. Mais on parle de la justice. Allez-y dans les dictionnaires, allez-y dans la Bible, allez-y dans les lexiques autres. Même sur le plan éthique, la justice a un contenu, la justice a une signification. Et vous trichez. Si c'est vrai, alors je trouve des mots exacts, pour ne pas dire des bêtises. Il faudrait que le chef de l'État, qui est les magistrats suprêmes, revoie toute cette procédure, qu'on recommence. Et puis ceux qui avaient la responsabilité de recruter puissent être changés. Je crois que j'ai été poli. Puissent être changés. Parce que dans quel pays on peut voir ça? C'est-à-dire qu'il s'agit du dernier rempart. Si ça ne marche pas partout, c'est là où tout le monde peut aller se réfugier. Mais on a des corrupteurs et des corrompus. Entre-temps, ceux qui avaient satisfait, ils projettent même d'organiser un sit-in. Hein, mais non, mais la fraude corrompt tout. Comment démêler le vrai du faux?
Si on peut retrouver, parce qu'aujourd'hui on peut retracer ceux qui ont passé leur test, si les documents pour le prouver sont là, c'est bon. Et ça sera simple à détecter. Même si on mettait des listes ensemble, on peut aller chercher le papier de présence, le note, et puis on compare. C'est-à-dire, on ne peut pas faire du nouveau avec du vieux. On ne peut pas créer un État que nous appelons de tout nouveau avec des habitudes obsolètes, des habitudes immorales, des habitudes de notre siècle. Je suis vraiment en train de faire un effort pour ne pas exploser quoi. Mais c'est impensable. Comment vous, et ces gens-là, vous avez été à l'université, vous êtes incapable de passer un test pour être magistrat. Vous avez étudié les droits autant que Kamuleta, autant que le ministre Moutamba, autant que tous les avocats que nous voyons ici. Et vous êtes fier de figurer sur une liste parce que vous êtes neveu à, vous êtes l'enfant à, vous êtes des beaux frères à. Mais c'est une honte. C'est une honte nationale. Cette affaire-là, on devait en faire vraiment une fixation qui, à tous les niveaux, que tous les citoyens puissent se lever pour dire non. Parce qu'il s'agit de notre devenir. Demain, vous allez chez les gens qui ont payé pour être magistrat. Merci. Pour obtenir quoi? Parce que la première des choses, ils vont chercher à récupérer tout ce qu'ils ont donné. Et parce qu'ils se sentiraient protégés, ils se comporteraient de n'importe quelle manière. On voit des comportements décalés ici, de gens qui se sentent enfants d'eux, beaux-frères d'eux, surtout les beaux-frères d'eux. Ils se comportent de la pire des façons, aucun respect pour les gens, et imaginez que ce soit un magistrat. Terrible. Alors, le général Kifoua, auteur de tortures, traitements inhumains, dégradants à l'égard d'un avocat, il sera traduit en justice. C'est une première. Il est traduit. Oui. Il est traduit. Merci à l'auditorat général des forces armées de la RD. C'est une première. Un autre officier de l'armée traduit en justice. Moutamba n'a pas peur, hein, c'est sûrement. Au Congo, on aime bien les premières. Hein. C'est, le problème, c'est... Oui, c'est bien de traduire. C'est une première. On aime bien les premières. Le problème, c'est pas le simple fait de traduire, c'est d'aller jusqu'au bout et de rendre justice. Au Congo, on commence bien les procès, on finit jamais. Hein? On connaît hein, pas mal de procès avec tambour battant. Je peux vous rappeler, il n'y a pas très longtemps, on a suspendu l'activité au stade parce qu'il y avait mort d'homme. Où est-ce que nous en sommes? Ça continue, hein? Non, mais c'est suspendu. Suspendu, hein? Ok. Au Congo, on a bien commencé les choses et j'espère qu'on va aller jusqu'au bout. C'est quand même déplorable que nous assistions à ce genre de vidéos, à ce genre de violence et que viralement, ça nous a tous impacté, hein, de voir la violence avec laquelle l'avocat était traité, ce qui était très dégradant, pas uniquement pour son statut d'avocat, mais pour l'être humain que nous sommes. Et qu'on ne devrait pas assister à de tels comportements venant des officiers militaires, notamment. Moi, j'ai un peu grandi avec des. Dans ma famille, il y a beaucoup de militaires. L'armée est un corps de valeurs. C'est un corps de valeurs. C'est une culture du respect, de l'ordre, de la discipline. Et d'ailleurs, on a toujours dit que la discipline, c'est la mère des armées. Et donc, un vrai militaire est discipliné de lui-même. Il est tellement discipliné qu'il n'a pas la barbe que moi j'ai. Un vrai militaire, il n'a pas cette barbe. Il faut raser. Oui, il ne peut pas avoir ça, c'est impossible. Donc quand vous voyez un vrai militaire, vous savez ça, il est discipliné. Même pour sa taille, son poids, il est discipliné. Aujourd'hui, on a un défi énorme dans la refondation de l'armée. Il faut travailler à aller au fond. Et si la justice peut nous aider à aller au fond, ce serait une bonne chose. Mais ce sont des épiphénomènes qui apparaissent. Et je pense qu'au-delà des épais phénomènes, on va travailler sur des questions structurantes, des questions de fond. Parce que la réforme doit dépasser le spectaculaire. Nous sommes beaucoup dans le show, et dans le show politique. Le spectaculaire, les choses qui frappent les esprits, sans aller dans les questions profondes et structurelles. C'est bien de dire les avocats volent, les avocats, c'est bien pour le show. Mais en termes de réforme profonde, qu'est-ce qu'on met en place? On a mis quoi? C'est ça le plus important. En Congo, on parle des épis moments. On ne parle pas des questions structurelles, on ne parle pas des politiques publiques. C'est quoi? Arrêter un général, c'est bien, mais ce n'est pas une politique publique. C'est quoi la politique publique qu'on met pour réformer la justice? C'est quoi? Discutons politique publique. Et je crois que le rôle des autorités, c'est de nous amener des politiques publiques et pas de s'appuyer sur des épiphénomènes et des épimoments pour faire un show puis on disparaît, on ne change pas les choses en fond. Il faut qu'on tire les leçons, c'est vrai, des épimoments, mais aller vers des politiques structurelles.
Ça veut dire quels sont les vrais tards de notre justice aujourd'hui, comment nous réglons ces problèmes dans le fond et que nous ne limitons pas à faire le cosmétique et la théâtralisation, parce que nous sommes très forts au Congo en théâtralisation. Merci. Alors, l'analyse de Christian Brouleka, je sens qu'il doute vraiment que cette démarche qu'on a traduit le général Kifoua puisse aboutir. Il a plusieurs cas, hein. On peut ensuite en citer aussi. Les derniers cas en date, c'est les cas Nicolas Kazadi, qu'on n'en parle même plus. Est-ce que vous croyez vraiment que cette démarche va aboutir? Bon, je pense que les inquiétudes sont fondées de se demander si ça va aboutir ou pas. Mais au moins ici, je note ici le rôle essentiel pédagogique qu'on donne à ce qui s'est passé, parce que l'être humain est sacré, il faut le respecter. Il est intolérable qu'on puisse voir ce qu'on a vu dans la vidéo devenue virale sur la toile, de voir un général estimer l'ordre à ce sujet, de bastonner un être humain, au-delà d'un avocat. Ça, c'est intolérable, c'est inconcevable, ça, c'est pas pardonnable. Et aujourd'hui, que le ministre ait mis la machine pour qu'on puisse entendre ce haut officier, c'est déjà un bon geste pédagogique pour démontrer qui que ce soit que l'ère des intouchables est révolue. Donc, ne pensez pas que parce que je suis ministre, parce que je suis général d'armée, général, c'est pas de la police, j'ai pu me permettre de faire quoi que ce soit, ça que je sois poursuivi en justice. On peut l'écrire à haute voix que l'heure des intouchables est révolue. Il faut bien ça. À haute voix même. Mais la preuve là, c'est que il y a un général d'armée qui est maintenant l'auditorat en train d'être entendu en ce moment ici, au niveau de l'OMAMI, parce que il a. Donc il y a des gens qui se surestiment, hein, donc ils pensent qu'on ne peut pas les critiquer. Tu serais chef de l'État, chaque jour, on l'injurie, on les diffame, ses enfants, sa femme, sa mère, mais toi, un général, parce qu'un avocat a donné un point de vue sur la toile, tu demandes à tes gens de les bastonner, de les jeter dans la dure. C'est quoi cette histoire-là? Et je crois que le ministre courageux de dire non, tiens, mais il faut entendre ces messieurs-là. Et j'ai aimé la société des avocats qui sont liés comme un seul homme, surtout de voir le ministre pour lui faire la plaidoirie au nom de la solidarité entre avocats, qu'on puisse entendre ce général-là. Et aujourd'hui, le général a été dégalonné, il est entendu devant le tutorat. Ça, c'est un bon signal, un signal très fort pour démontrer à ces gens qui se croient surépaulés comme quoi, moi je suis intouchable. Non, monsieur, tu n'es pas intouchable. Tu commets des gaffes, on va t'arrêter, on te met en prison. Voilà. C'est ça, ce qu'on faut saluer aujourd'hui là, c'est que Moutamba donne comme image de la justice, c'est-à-dire apporter la peur du gendarme, de la justice, à qui que ce soit. Que tu sois ministre, que tu sois. Mais sauf que, monsieur le ministre de la Justice, il faut aussi ouvrir les placards. J'ai aimé aujourd'hui que monsieur Takahashi est maintenant au niveau de Cachot parce qu'il aurait perçu 5 millions de dollars destinés à construire une prison auxiliaire à celle de Makala. Et ces messieurs-là, si je ne me trompe pas, d'après les éléments en possession, c'est au soir du gouvernement Iloukamba, au crépuscule d'Iloukamba. Le marché est contracté, le gouvernement sort 5 millions de dollars américains, on remet une entreprise pour ériger une prison similaire à Makala, juste en face. Donc, Makala, c'est Axelembao, prison auxiliaire à Bumbu, en face. Pour que ça permette de désengorger Makala et puis créer des conditions. Il a bouffé l'argent. Ma chère, on sort l'argent. On remet l'argent à l'entreprise censée ériger la prison. Au nom crépuscule du gouvernement Iloukamba. Alors, l'entreprise se met en branle pour commencer à travailler. Le ministre appelle. Non, attendez un peu. Je pense que Bumbuya Mouké, Madame Mouté, tout le monde, c'est les Zéla Mouké, Simon Mongwana, ma chère. Alors, comme dans ce pays ici, quand ça passe, on oublie, Moukamba, bye, Samachou arrive, et puis le ministre n'est pas conduit. L'entreprise a fermé ses portes. Et puis, on n'en parle plus. Mais Moutamba arrive, il voit les rapports de l'IGF, il fête. Mais où sont les 5 millions ici? Non, mais moi, je vais montrer avec monsieur le ministre, voilà le rapport est là. Le gars est dans les jeux, c'est pas de l'ANR ou c'est pas où là. Donc, 5 millions de dollars américains
débouté par l'État congolais, nos contribuables, nos contribuables. Et quelqu'un se permet de l'empocher, et puis on a parlé avec Freddy Moutam arrive, et on voit le rapport de l'IGF, et puis il met la main sur le... Merci Freddy Thieu. Alors, Santika, on aborde un autre sujet. Hein, mais je, en quelques minutes, souffrez que vous ayez que deux minutes pour ça. Ouais. Non, mais je crois que le comportement du général a été inqualifiable, quoi, pour un meneur d'hommes. S'il se permet cela face à un civil, et qu'est-ce qu'il n'infligerait pas à ces militaires, à ceux qui sont sous ordre, tous ces ordres? Je pense qu'il faudrait un rappel d'éthique aussi aux responsables, aux meneurs d'hommes, surtout des généraux, parce que ce sont des hauts cadres de l'armée, ce sont des gens qui devaient être un peu avec beaucoup de recul, avec un peu de retenue. Mais cela ne les dédouane pas aussi aujourd'hui. C'est juste un rappel, les amis ne l'ont pas souligné, les réseaux sociaux ne nous donne pas aussi tous les droits. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on trouve de tout et n'importe quoi. Il suffirait que je puisse avoir un problème contre vous, et je peux me permettre de faire des audios, de faire des montages, de faire n'importe quoi. Aujourd'hui aussi, c'est punissable. On peut vous arrêter, on peut vous condamner pour des publications. Je ne dis pas que les généraux puissent avoir raison, et je ne sais pas de quoi il s'est agi, mais je rappelle seulement le principe que nous, journalistes et tous ceux qui produisent des contenus pour les réseaux sociaux, qu'ils fassent aussi attention, parce que ça ne sera pas les généraux qui s'en occupera, mais la justice de Moutamba et tous les autres. Et si le ministre a eu le courage d'aller dépoussiérer un dossier de plus de 5 ans, mais aussi des dossiers plus récents, des détournements de plus de 5 millions, on aimerait que la même célérité puisse aussi être exercée sur tous les autres dossiers. Surtout que l'IGF a une pile de dossiers qu'il a déposés à la justice, qui n'ont jamais évolué. Donc c'est bien. Mais aussi dans tous les cas, comme l'avait dit le président de la République, qu'on fasse les choses dans la règle, qu'on laisse la justice établir des responsabilités. Si l'argent a été remis à une entreprise, pourquoi il était d'ailleurs vice-ministre, il assumait l'intérim de Ilou Kamba quand il était défenestré. Comment l'argent de Tunda Kassendé. De Tunda. De Tunda Kassendé. Voilà. Et comment le ministre pouvait rentrer en possession de cet argent-là? J'aimerais qu'on nous explique. Hein. C'est bien qu'on arrête, oui, c'est bien. Mais comment et pourquoi, c'est très important. Hein. Nous sommes des êtres rationnels, nous avons besoin d'explications. Si l'argent, je l'ai dit à la suite de Freddy, a été remis à une entreprise, pourquoi le ministre s'est arrêté? Merci. Alors, il faut tracer, savoir, parce que... Non, Freddy, on parle autre chose. Voilà. Face au problème qui range les pays, soulevé par... ça, c'est le docteur Denis Mukwege, hein, et son parti. Il propose un dialogue sous l'égide de l'Église catholique. Qu'en pensez-vous? Cette Église qu'on a insultée ici. Cette Église sur qui on... Quand aujourd'hui, là, on cite l'Église catholique, non? Nous, on était là contre, avec le Freddy ici, contre le troisième mandat, et tous pour l'Église. Là, c'est bon. Mais quand on va nous faire des observations dans un autre sens, on va sortir tout ce que nous avons d'amère là-dedans, les pancréas et tous les autres, sortiront pour jeter le pauvre, bon, pour parler sérieusement. Je pense que quand le président a reçu les évêques lors de la présentation du nouveau président de la Synco, les évêques avaient émis ses voeux. Et le docteur Mukwege, fidèle à sa vocation de prix Nobel, je crois, est allé dans le même sens. Mais pourquoi? Pourquoi? Je voudrais essayer d'expliquer pourquoi on doit faire ces fronts-là. Ce n'est pas pour qu'on puisse créer, parce qu'on a annoncé le gouvernement... Je n'aimerais pas être à la place de ces membres du gouvernement là. Janvier 2017. On est au mois d'août, finissant, et au mois de juin. C'est-à-dire décembre, vous voyez la bonne année après, out. Out. Alors, mon pote voit déjà ça. Il voit déjà ça, ce que vous voulez dire. Moutamba est en train de tout contrôler, c'est pas sérieux. Alors, pourquoi on doit se mettre ensemble, sérieusement?
C'est justement pour... nous avons un grand problème sécuritaire. Et ça ne peut pas être le problème du gouvernement tout seul, de ceux qui sont au pouvoir. Parce que le Congo appartient à nous tous, à ceux qui sont au pouvoir et à ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui. Des fois, on a comme l'impression que les sorciers... des loups dans la bergerie, quoi. Les gens ont intention, la volonté de voir les choses n'est pas marcher à l'Est pour taper sur le président, pour taper sur le gouvernement. Aujourd'hui, l'apport des Martin Fayulu et des Moïse Katumbi, de tous les autres, de ces Sanga, sur d'autres points, devrait être important de manière à ce que nous puissions penser les Congo que nous appelons de tous. Ok, donc vous êtes d'accord avec un dialogue. Mais bien entendu. Merci. Un dialogue avec un cahier des charges bien défini. Si c'est pour partager des postes, ça ne vaut pas la peine. Mais aussi dans le respect des partenaires de ceux qui vont venir là. Mais ça ne sera pas un premier dialogue. Hein. On a vu ça au Congo. Et puis, Christian, dans ces dialogues, parce que Mukwege a évoqué plusieurs mots qui rangent les pays. C'est-à-dire qu'il y aura même des Kabila qui soutiennent l'AFC, des Nanga qui doivent être là, dans ce dialogue. Sur ce plateau, je suis revenu plus d'une fois sur la nécessité d'avoir une cohésion interne. Il y a une phrase qu'on m'a expliquée de ce que Tchalamouane a chanté dans la chanson Dieu a Mousé à l'époque. C'est que lorsque un lion ou un léopard rentre dans la case, il faut que vous arrêtiez de vous battre entre vous, que vous organisez d'abord à chasser les lions. Nous avons aujourd'hui un risque réel, qui est un risque existentiel. C'est qu'on peut se réveiller, le Congo se balkanise avec ce qui se passe à l'Est, on perd une partie du pays, on va nous inventer une forme d'autodétermination, et derrière on crée un état tampon qui va alimenter, on le sait, les intentions, les intérêts d'autres pays. Et donc si on ne prend pas conscience qu'aujourd'hui le pays est sérieusement menacé, que l'intégrité du Congo est sérieusement menacée, et qu'il faut dépasser nos propres camps politiques, nos divergences, les questions électorales, et se mettre ensemble autour d'une table, pour essayer de préserver la nation menacée, eh bien on va passer le temps à nous battre pendant qu'elle a besoin de partir. Je crois que c'est ça l'intérêt de la démarche. Après, se mettre avec qui? Déjà le président lui-même, à partir de la Belgique, a lancé le ton sur... l'absence de confiance qu'il y a aujourd'hui entre les acteurs. Qui sera l'intermédiaire? L'Église catholique? Est-ce que l'Église catholique aujourd'hui peut encore jouer ce rôle d'intermédiation? Est-ce que la MONUSCO peut encore jouer ce rôle d'intermédiation? Ou est-ce qu'on va encore revenir comme à l'époque de Kodjo, de chercher un médiateur international, un facilitateur international qui va venir nous mettre autour d'une table, sans Egidio, on connaît la chanson, mais il y a au moins une évidence. C'est qu'il est nécessaire que les Congolais se parlent aujourd'hui, qu'on se mette autour d'une table pour avoir la cohésion interne, quitte à définir les cadres, quitte à définir qui vont prendre part, mais il est nécessaire qu'on se parle. Voilà, Freddy Chioyo. Est-ce qu'il ne faudrait-il pas aussi réfléchir sur les dialogues précédents avant de penser à un autre dialogue? Parce que là, ça finit toujours par le partage du pouvoir. Voilà. Mais en fait, le docteur Mukwege a juste monté l'hameçon parce que l'interview du président de la République récemment, c'était une brèche ouverte à ce qui va advenir dans les prochains jours. Le président a dit qu'en recevant ses seigneurs religieux, il leur avait proposé, ces seigneurs l'ont proposé s'il n'y avait pas moyen de créer une ouverture, une sorte d'orifice pour créer un peu de paix. Mais je pense qu'aujourd'hui, face au drame sécuritaire qui sévit dans la partie de notre pays, avec la menace du Rwanda qui veut s'accaparer de notre territoire, je pense qu'il est de bon alors que les fils du pays se mettent ensemble, parlent le même langage, pour faire face à les velléités expansionnistes qui expriment le Rwanda. Alors, j'ai aimé déjà le fait que notre compatriote Martin Fayulu abonde aussi dans le même sens, en annonçant un meeting de cohésion nationale le 31 août. Donc c'est un signal fort, cela prouve que l'idée générée par le président commence à prendre corps au niveau du corps politique qui comprend qu'effectivement il urge que les Congolais se parlent, se mettent autour de table et maintenant qui pour les réunir tous, c'est un cher ami. Nos églises c'est un endroit de refuge, nous sommes des brebis. Certaines sont galeuses, certaines sont bien, comme vous voulez, mais l'Église,
C'est un point de refuge lorsque on manque ou pas, ou mettre la tête. Tous, nous refusons l'Église. Donc aujourd'hui, nous pensons que nos pères spirituels peuvent nous aider parce qu'elles sont sans coloration, même si certains d'entre eux, on sait, certains ont un cœur qui bat à Kachogwe, certains ont un cœur qui bat, c'est pas à Fadenhaus, mais nous pensons que, de manière innocente, que l'Église est là pour paître les troupeaux. Et c'est pourquoi nous pensons, comme a dit Mkoge, et ces seigneurs de l'Église ont vu le présent a été ouvert, et Mkoge aujourd'hui, et le président a été traité en avec Mkoge, parce que Mkoge, quand ça marche, il dit oui, avec le fonds d'arrêt pour la réparation de la guerre de 6 jours à Kisangani. Mkoge a salué l'initiative. Mouzito a appelé le président, lui a fait un message. Donc, le président nous a fait comprendre que entre les opposants, il s'est fait le texto. Mouzito a écrit au président, en tout cas, par rapport à la 6e revue, en tout cas, c'est une première depuis l'indépendance. Voilà au point des hommes d'État. Donc, aujourd'hui, s'ils se parlent, nous pouvons que saluer parce qu'il y a une guerre qui nous guette à l'Est. Le Rwanda veut s'accaparer de Routchour, l'annexer comme. Parce que vous avez suivi Bitakura. Bitakura a dit quoi? Au fait, l'ancien régime ne pouvait pas le citer, le président allemand a dit que voilà, l'AFC c'est l'autre. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un général Moulouba au Mungala dans la partie orientale? Renseignez-vous un peu. Pourquoi il n'y a pas un général Nandé au nord Kivu, au sud Kivu? Seulement les Tutsis généraux qui sont dans la partie, cette partie-là. Et ça ne vous dit rien. Et c'est ça l'accord qu'avait signé Raymond Tshibanda et compagnie. Et qu'on voulait que le président puisse endosser. Le président dit niet. Le 1-23 est une coquille vide. C'est lorsqu'on commence à faire la permutation au sein de l'armée que le roi se réveille. Donc, la guerre gagnée en 2013, c'était juste un maquillage, c'était juste un silence, un silence d'armes. Mais en fait, la question principale n'a pas été résolue parce que le Rwanda réclame les terres sur le sol congolais. Merci Freddy. Alors, et pour cela, les Congolais des souches, des pères et des mères, Katumbi, Tshisekedi, Fayulu, Mukwege, compagnie, doivent s'asseoir et trouver ensemble de mécanismes pour parer à ces velléités du Rwanda. Voilà, mais il y a une question qu'on doit se poser aussi, d'où va ressortir, ou bien la paix, hein, va ressortir d'où, parce qu'il y a aussi le rapport de Lorenzo, hein, rapport, c'est quoi, l'accord de paix. L'accord de paix. L'accord de paix proposé par João Lorenzo, qui est en cours d'examen. Est-ce que faudrait-il miser sur cet accord, ou soit s'est penché sur un dialogue entre. Mais je pense que ce n'est pas dichotomique. Si les Congolais veulent se mettre ensemble pour discuter, ça n'empêche en rien que le mécanisme des Luanda soit continu. Il y a l'accord qui voudrait nous amener à un cessez-le-feu. Si cessez-le-feu voudrait savoir statu quo, que Bounagana et consorts puissent rester sous contrôle étranger et que nous nous contentions de l'autre, non. Ça ne sera pas la paix, ça ne sera pas du tout la paix. Ça ne sera jamais la paix des âmes, ça ne sera jamais la paix de cœur. La République démocratique du Congo est connue dans sa superficie. La paix serait que ces gens-là dégagent et que nous, RDC Congo, puissions gérer toutes ces parties et que la discussion puisse se poursuivre ailleurs. Dans le cas contraire, on n'aura pas d'autres alternatives que de continuer la guerre. Il n'y en aura pas deux. On n'obtient rien avec des larmes, on n'obtient rien avec même les États-Unis. Après avoir vaincu l'Allemagne, la coalition à l'époque, en 1945, le Japon qui continuait la gesticulation, c'est la RDC qui est venue en rescousse avec l'uranium de Kanchelobwe pour. Chikolobwe, merci, pour. Exterminer les Japonais là-bas et mettre fin à la guerre. C'est-à-dire. Les Japonais n'ont pas compris que les dialogues pouvaient éviter des milliers de morts. C'est ça ce qu'un peu le Rwanda est en train de faire aujourd'hui. Madame, là, pour préciser encore, la dynamique de Luanda, c'est comment rétablir la coopération bilatérale entre le Congo et le Rwanda. Et de Luanda plutôt, entre le Congo et le Rwanda. Ça n'exclut pas qu'une dynamique interne s'organise entre Congolais. Parce que c'est une dynamique régionale qui vise de déstabiliser les relations entre le Congo et le Rwanda. Ça ne nous empêche pas de construire notre nation, ça ne nous empêche pas de réformer à l'intérieur, ça ne nous empêche pas de créer la cohésion intérieure. Merci. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, auditeurs du kiosque.
Merci Freddy Tuyoyo. Merci Christian Monica. Il faut ajouter quand même. Merci Serge Seka. 30 minutes. Merci au coach Doudou Montiri qui doit ajouter quelques minutes. Beaucoup. Merci à l'équipe technique, Marité Godo, Héritier Tobilandou, Alain Kabongo, Fiston Atunga, Junior Kassonda, Mouron Djambé, Madame, Monsieur, bon début de week-end. Je vous retrouve lundi avec le même plaisir. Au revoir.